فرحانين بزاف حيت جينا نشجعوا المنتخب وحنا غنتبعوه في المكان وديما مغرب. فرحانة حيت جيت من الرباط لطنجة وخدينا تيكي ديالنا وفرحانين بزاف وديما مغرب. فرحانة حيت جيت من الرباط لطنجة باش نتفرج في المنتخب وان شاء الله كيما قال الركراكي خصنا نديروا النية وان شاء الله غنربحوا. On est très content d'être là. On espère une victoire pour le Maroc, Inch'Allah. Le score ? Le score, moi j'aimerais bien 3-0, mais je pense que ça va être 2-1. Qui sera le buteur côté Maroc ? Il va marquer un Ziyech. Ziyech, Ziyech. Ouais. Ziyech, d'accord. Super. Merci. À la base, je viens de Paris, mais j'étais sur Casa et j'ai pris le Borac pour venir jusqu'à Tanger. Donc vous êtes venu spécialement pour le match, c'est ça ? Exactement, spécialement. C'est mon ami en fait qui m'a engrainé à venir. pour voir le match. Sincèrement, j'appréhendais parce que je ne suis jamais partie dans un stade et je devais partir au Qatar, mais mon vol a été annulé. Donc c'est un peu ma revanche. Ah, voilà. D'accord, donc c'est votre tout premier match de foot en C'est stade. Mon tout premier match, voilà. D'accord. Je suis et un peu coup, stressée, mais... Qu'est-ce que ça vous fait ? Bah, franchement, il y a une excitation et puis surtout le fait de soutenir l'équipe du Maroc. J'ai même appris l'hymne national. Enfin... Ah, c'est bien. Et du coup, vos pronostics ? Vos pronostics pour le match ? Bah, vous savez, c'est drôle parce que je parle le portugais, parce que je suis moitié portugaise. Et donc le brésilien, c'est un peu... Il y a un lien, mais bien sûr, je vais soutenir à fond le Maroc, parce que je suis moitié marocaine. Et voilà, je me dis, allez, 2-1. 2-1. D'accord. Et vive Maroc. Donc, vous venez d'arriver à Tanger, donc vous êtes venu spécialement pour le match, c'est ça ? Maroc-Brésil ? Oui, c'est ça, on est venu spécialement pour le match Maroc-Brésil. En fait, je pense que on a beaucoup de personnes, on a la nostalgie de la Coupe du Monde. Et là, à quelques mois justement de la fin de la Coupe du Monde, c'était l'opportunité de revivre toute cette émotion, etc. Donc on est tous contents d'être là, je pense. C'est la première fois que vous assistez à un match de l'équipe nationale ou Non, moi personnellement, j'étais allée au Qatar justement, donc j'avais pu voir Maroc-Portugal et Maroc-France. Donc on peut dire que vous êtes là, vous en train, enfin, vous voulez bien sûr revivre cette ambiance, peut-être cette énergie, cet engouement. Exactement, c'est ça. Et peut-être, Inch'Allah, la victoire contre le Brésil. Vos pronostics, le score ? 2-0. Les buteurs Dis-moi 2-0. Boufal ou Hakimi. D'accord. Merci beaucoup et bon match. Salam alaikum. Donc, Goulia, tu as joué à Tanja, là où tu as le match du Maroc pour le Brésil, c'est ça ? Oui, j'ai joué à Casa. J'ai joué à Inch'Allah pour faire le match en même temps pour faire le match. Ah, d'accord. Donc, on se fait un peu de donc, qu'est-ce que tu fais jouer ? Qu'est-ce que tu fais jouer ? Qu'est-ce que tu fais jouer ? Je suis allé à la première fois que je suis allé à صراحة غادي تكون زعما فرصة زوينة بأنني نتفرج حتى في اللعابة اللي كنتفرج فيهم زعما كنشوفهم في الفرق الكبار داكشي علاش مبغيتش زعما نضيع هو إحساس غيكون فابد من واحد أول مرة غتجي أول مرة غنتفرج في المنتخب وأول مرة غنتفرج زعما في لعابة زعما إتخونج وشنو التوقعات ديالك للماتش؟ كذبش عليك إلا جينا نشوفوها منطقيا غادي نقولوا زعما نقدروا نخسر ولكن نتمنى إن شاء الله يديروا كيف ما داروا في المونديال ونربحوا ان شاء الله. انت اول واحد يقول لي نقدر نخسروا، علاش؟ شنو السبب اللي خلاك انك تحس الاحساس؟ شفنا شنو درنا في المونديال، لعبنا مع فرق احسن من البرازيل. ما كنضرش لعبنا مع فرق احسن من البرازيل. البرازيل عندها ستيل دو جو ديالها بوحدها، حنا لعبنا مع فرق اللي كيلعبوا بالتكنيك، هذه فرقه استعراضيه اللي نقدر زعما صراحه نتوقعات تربح ان شاء الله. شفت كاز لي درابو دونك قلتي غتبيع ياك سي سا؟ كيفاش غادي الامور؟ الحمد لله ميسره بدينا من هنايا، باقي ما وصلنا للتيران والحمد لله بعدا واحد العدد. مقبول لا بأس به